Pour son Noël 2021, Laure Manaudou n'a pas pu avoir ses trois enfants avec elle. Sa fille aînée Manon était avec son papa Frédéric Bousquet, mais l'ancienne nageuse a pu compter sur la présence de nombreux proches, notamment une partie de sa belle-famille, celle de son mari Jérémy Frérot. Être séparée du père de sa fille aînée implique pour Laure Manaudou de devoir faire des concessions. Cette année, l'ancienne nageuse de 35 ans n'a pas pu passer Noël avec Manon, 11 ans et déjà près d'un M70. Cette dernière était avec son papa, Frédéric Bousquet, lui aussi ancien nageur. Dimanche 26 décembre, au lendemain de Noël, Laure Manaudou a publié une photo de famille dans sa story Instagram, afin de montrer que son Noël 2021 a été placé sous le signe de la famille. Sur l'image prise en extérieur, voir notre diaporama, l'ex-reine des bassins pose avec son troisième enfant, un garçon né en début d'année, dans les bras. Son visage est masqué par un gros cœur rouge, tout comme celui de son grand frère Lou, 4 ans, qui pose dans les bras de son grand-père dans une tenue bleue. Tous deux ont pour papa le chanteur Jérémy Frérot, que Laure Manaudou a épousé en mai 2018 dans les Landes, où le couple habite du côté des Manaudou. Florent Manaudou était également là pour ce grand Noël en famille. Pas de trace en revanche de la fiancée du nageur français, la sublime nageuse danoise Pernille Blum. Peut-être que la candidate du dernier Danse avec les Stars version danoise est restée dans son pays pour fêter Noël. Manon, la fille aînée de Laure Manaudou, manquait elle aussi à l'appel et se trouvait dans la famille de son papa Frédéric Bousquet. Ce dernier a publié une photo de son Noël sur sa page Instagram. Manon apparaît sur le canapé, avec un émoji paire de lunettes sur le visage pour protéger son anonymat. Avant d'être mariée à Jérémy Frérot, Laure Manaudou est restée plusieurs années avec Frédéric Bousquet. L'ancien couple a vécu une terrible épreuve, la perte d'un bébé. Alors qu'elle était enceinte de 4 mois, une heureuse nouvelle qu'elle avait officialisée sur le plateau du Grand Journal, elle avait été contrainte de mettre un terme à sa grossesse pour des raisons médicales. Je suis très attristée par cette nouvelle. J'ai appris de la pratique du sport de haut niveau qu'il n'y avait pas de chemin sans accident de parcours, c'est également vrai sur le plan personnel, avait-elle fait savoir dans un communiqué. Elle était alors âgée de 26 ans. Je sais que je ne suis pas seule dans ce cas, de nombreuses femmes ont dû subir cette épreuve, et j'ai la chance d'être déjà maman. Frédéric Bousquet et moi allons affronter cette expérience de vie, avait-elle ajouté. Quelques mois plus tard, Laure Manaudou et Frédéric Bousquet se séparaient.